Bonjour et bienvenue dans l'épisode 25 de la saison 2 des Dés sont jetés, une petite émission de jeu de rôle où ce sont les dés, les maîtres de la destinée. Et ce sera une session un peu particulière puisqu'aujourd'hui nous avons un invité avec nous en la personne de Arbacine de la chaîne Fumbleplay. Alors je sais pas si on dit Arbacine ou Arbacin d'ailleurs. Mais... Ah ça y est, on commence avec les prénoms. Okay. Et bonjour également à mes joueurs et joueuses. Comment allez-vous tous et toutes? Très bien. Les cartons, c'est fini. Alors, on avait un petit coucou de démarrage pour elle de baf, faut y aller doucement. Coucou. On commence de l'ASMR. On essaye de varier la chaîne. Alors, on va pas commencer sur l'ASMR. C'est donc Arbacin de la chaîne Fumbleplay, une petite émission pas si petite qui réunit des copains autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à différentes campagnes. Alors on a eu des Genesis, on a eu Alien, et en ce moment c'est Game of Thrones, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Avec House of the Dragon, donc voilà, ça se passe à peu près un siècle avant la série, les bouquins, et ça se passera au même moment que la future série d'HBO. C'est voilà. Ça, okay. Ce que j'allais dire. Ah là House of the Dragon, là, j'en ai entendu parler de ça. On est doué chez Fumbleplay pour coller à l'actualité, à ce que je vois. Hein. En tout cas, on essaye. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné à Fumbleplay, je vous invite à aller vous abonner à Fumbleplay. Mais je pense que vous êtes déjà abonné parce que nos deux chaînes sont assez proches depuis le lancement des deux. Donc normalement, il y a des atomes crochus. C'est la première fois qu'on se croise. Non, je crois que Mel a déjà croisé des gens de chez vous en partie chez Rollerdye. Moi, j'ai joué avec Chat la semaine dernière. C'est ça. Ah, ben Chat, c'est notre ambassadrice en chef. Voilà. Elle joue à droite et à gauche. Voilà. Et du coup, c'est l'occasion pour nous d'accueillir aussi le Fumble par ici. On espère qu'il sera quand même clément, le Fumble, en venant chez nous. Et puis, du coup, on va lancer cet épisode, hein, puisque l'introduction va s'éterniser. Sinon, on va lancer avec un petit résumé, puis le générique. Et on se retrouve juste après. C'est parti, résumé. Dans les épisodes précédents, des dés sont jetés. Après une bonne séance de shopping et avoir appris qu'Eldebaf a accepté d'épouser la fille de la famille Nisnora, Nirlin, nous nous apprêtions à rejoindre Togra à la première heure à l'entrée des tunnels pour quitter la montagne. Au petit matin, on arrive donc à l'entrée des tunnels et on redécouvre notre guide du jour, Tulix, un nain pas très bavard avec un compagnon chauve-souris pas banal, ou une espèce de chouette selon les connaissances de chacun. Togra nous rejoint et on s'enfonce donc dans les tunnels, et après plusieurs heures de marche, on arrive sur une grande grotte dans laquelle on affronte la fameuse créature, l'Otyug, une espèce de grosse bête à trois tentacules qui vit sur une pile de déchets. Togra a un peu essayé de se la jouer grand héros en fonçant droit dans le tas, mais on a réussi à le tuer avant que ça fasse trop de dégâts. Enfin, l'Otyug, pas Togra. Et on a gagné une super tunique avec une aura de soin qu'on a donnée à Sai. Après, on a dû traverser sous l'eau et passer de l'autre côté de la grotte en suivant Tulix, mais on a réussi malgré le froid. Et après être sorti des tunnels, on a fait un feu et Tulix nous a filé des petites feuilles de plantes à manger qui nous réchauffaient. D'ailleurs, on en a cueilli quelques-unes pour plus tard au cas où, ça peut toujours servir, et moi j'ai retrouvé mon petit Pawen. C'est là qu'on s'est séparés, on a laissé Tulix et Togra, lui, est parti de son côté pour ses aventures, mais on lui a laissé un petit carnet d'adresses au cas où il ait besoin d'aide sur sa route. Nous, du coup, on continue dans la forêt en direction du cercle druidique et là, on tombe sur le hibours que cherchait Wendell, le bruit de chelou avec sa chouette là, donc on s'est dépêché de faire les houhou, houhou, houhou pour l'appeler, et donc il a fait repartir le ours hibou dans les airs, attrapé par le roc, et en remerciement il nous a offert une amulette de peau dure qu'on laisse à Eldebaf car ça réduit les dégâts. On poursuit notre route dans la forêt, on se fait piéger par des lianes qui nous attrapent et une jeune fille leur dit de nous libérer du coup. Elle s'appelait Gan et c'est une fille du village des druides, elle nous y accompagne quand on lui dit qu'on connaît Wendell. Donc là on arrive au cercle druidique et on va découvrir plein de choses, notamment sur Gigi. C'est un espèce de village avec des collines et un arbre au milieu, avec plein de gens et d'animaux qui vivent ensemble, donc ça Bayal elle aime. Et on arrive donc à Maître Quileas, la gardienne, qui nous accueille et qui nous conseille d'aller parler à un vieux un peu plus loin dans le village qui est en train de jouer avec son ours de compagnie, le vieil Horn, pour lui demander des renseignements sur Gigi. Le vieux nous donne plein d'infos sur la visite de Gigi qui serait venu lui parler, a priori il serait venu deux fois. Donc la première fois, il y a 4 ans, il cherchait à se renseigner sur le monde des fées, le monde chromatique, et à s'y rendre. Ce à quoi il lui a répondu qu'il fallait qu'il trouve une créature de ce monde pour l'y faire passer, et Gigi était très curieux d'en savoir plus. La deuxième fois, il y a environ un an, il avait l'air changé, plus coloré, il avait aussi l'air angoissé et distant, carrément dans ses pensées.
voulait absolument que Horn lui parle de l'esprit du Gidenvik. Il avait l'air bien renseigné et le vieux n'a pas voulu répondre. C'est là que l'enraciné a demandé à le voir et l'aurait chassé du cercle druidique. Il serait resté qu'une journée la deuxième fois contre tout un mois la première fois. On a posé plus de questions donc à ce vieux sur ce fameux enraciné. Le vieux qui avait environ 90 balais, il nous a dit qu'il était bien plus vieux encore, que ça se comptait en milliers d'années. Et si j'ai bien compris, ça serait parce que ça serait un elfe, alors que le vieil Orn n'est qu'un humain un peu gâteux. Et cet enraciné, lui, il serait déjà allé dans le monde chromatique. Sur ces révélations, on nous informe que l'enraciné veut nous voir dès demain. Et nous sommes interrompus par Gan, accompagné d'un groupe d'enfants qui courent un peu plus au nord en criant que l'enraciné aurait attrapé un nouveau voyageur. Mon très cher Guild, tu te promenais, on va dire, dans la forêt en direction d'une zone que l'on t'a indiquée comme étant celle dans laquelle se trouvaient les druides. Tu erres depuis plusieurs jours. Alors, tu es un habitué quand même des voyages, donc te promener en forêt, c'est pas forcément un problème pour toi, mais le fait de chercher un endroit que tu ne sais pas exactement, dont tu ne sais pas exactement l'emplacement, c'est quelque chose d'assez inhabituel pour toi, et donc du coup tu as erré pendant plusieurs jours pour trouver cet endroit, jusqu'à un moment un peu étrange où, en posant le pied par terre, tu as vu que des racines commençaient à entrelacer tes chevilles et à t'entraver. Tu essaies de te dégager, tu as réussi à te dégager, mais la zone était relativement vaste et au final, eh bien, t'as fini par te faire prendre au niveau des chevilles qui sont remontées et à être complètement figées dans une position un peu bloquée et à pas trop savoir quoi faire. Exactement. Tu t'es retrouvé là pendant bien 10 minutes. 10 minutes qui t'ont paru une éternité. Jusqu'à ce que tu commences à entendre des cris, des rires, tu sais pas trop, c'est un peu étrange. Toujours est-il que ce sont des voix plutôt juvéniles, des enfants, qui se dirigent vers toi, et effectivement, au bout d'un moment, toujours figé dans ta position, tu vois arriver dans ta direction des enfants qui courent, qui rient, qui jouent entre eux, qui se chamaillent un petit peu, et qui arrive vers toi et qui commence un peu à t'analyser dans tous les sens et à te poser plein de questions, qui commence à te grimper dessus presque, à regarder un peu et à te dire hein, c'est quoi ce qu'il a sur les bras? Des tatouages? Ils sont bizarres, ça sert à quoi? T'es qui? Tu t'appelles comment? Tu viens d'où? T'as pas de copain avec toi? Un renard? Un loup? Même pas un crapaud? Et bon, il t'abreuve de plein de questions. Comment est-ce que tu réagis? Ils sont quoi, à peu près une dizaine ou bien plus nombreux? Un peu moins d'une dizaine. Ils sont peut-être 7, 6, 7, vers là. Ok. Et c'est vraiment des enfants ou c'est plus des créatures? Non, c'est vraiment des enfants, là. Ouais, les enfants. Non, c'est vraiment des enfants. Alors, il y a différentes espèces d'enfants. Mm-hmm. Tu vois, il y a des enfants elfes, des enfants demi-elfes, des humains, etc. Mais des enfants, vraiment. Ok, donc je les regarde et je les vois tous comme ça en train de gambader. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier ou vous pourriez m'aider? Parce que je suis sûr que je peux trouver une solution pour vous aider si vous avez besoin de mon aide. Et là, j'ai besoin de vous. Donc ça pourrait être donnant-donnant. Alors tu vois les enfants qui échangent un peu entre eux, qui sont en train... Il a besoin de nous. Il a besoin de nous. C'est marrant ça. Ouais, d'habitude, les druides, ils ont jamais besoin de nous. À part pour aller peut-être tailler une haie ou des trucs comme ça, ou pour aller donner à manger aux renards. Ça, c'est possible. Mais avoir besoin de nous, c'est rare. Les druides. Oui. Vous avez parlé des druides. Alors, je ne suis pas un druide. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais bien aller les voir. Ah. Oh. Bah après, nous, on ne sait pas trop, parce que c'est l'enraciné qui pourra te détacher.
Ah bah tiens, attends, il y a Gan qui va arriver. Elle va décider. Vous, de votre côté, vous étiez en train de suivre Gan, qui marchait à côté de vous, tandis que les enfants sont en train de partir en courant devant. Ils ont pris beaucoup d'avance. Hein. Et au bout d'un moment, vous les entendez un peu au loin, en train de rigoler, semble-t-il, cahier un peu, poser beaucoup de questions. Ils ont l'air de poser des questions. Et au bout d'un moment, vous débouchez sur une espèce de clairière où vous voyez effectivement les enfants qui sont juchés, grimpés sur un individu qui est enchevêtré dans les racines, qui est bloqué comme ça, à regarder ce que font les enfants et à leur dire « Je peux vous aider, si vous m'aidez, je peux vous aider. » Et vous les voyez qui discutent un peu avec lui, et au moment où Gan et vous vous approchez, ils descendent un peu du monsieur et ils reviennent vers vous. Et vous vous approchez avec Gan de cet individu. Je t'invite à te décrire, du coup, Guild. J'ai une tenue souple, donc de cuir souple, noir. Je suis entièrement habillé en fait en noir avec des légers tissus un peu légèrement argentés à certains endroits. Mais c'est quelque chose de très simple. Vous voyez, parfois un peu de boue à certains endroits séchés. Je suis plutôt sec, j'ai les traits assez marqués, j'ai une barbe assez longue, les cheveux assez longs sur le dessus et rasés sur le côté, blond, les yeux bleus mais très tirant vers le blanc, et vous voyez que j'ai l'air d'être complètement dépassé par la situation. Et vous voyez en fait, en levant un peu les bras, vous voyez que les avant-bras donc de chacune de mes mains sont recouverts par des tatouages un peu étranges donc de chaque côté. Et donc je suis là en train de regarder ces enfants et j'ai l'air de pas vraiment savoir ce qui se passe. Je suis complètement bloqué et vous voyez que je leur ai demandé en fait un peu d'aide, moyennant peut-être quelque chose pour les aider de mon côté. Vous voyez Gan qui s'approche un peu, les enfants qui viennent se mettre derrière Gan. Et Gan fait « Oh, calmez-vous les enfants, calmez-vous. Bonjour, je m'appelle Gan, vous êtes ?» Enchanté Gan, je suis Guild et je crois que j'ai besoin d'aide. Si vous pouvez faire quelque chose, je pourrais faire quelque chose aussi pour vous en retour. Alors, je peux faire quelque chose, mais qu'est-ce qui vous amène ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Eh bien, je cherchais, tu vois, qu'en même temps que je parle, je regarde donc l'ensemble de la compagnie. Je recherche des druides. Alors, en fait, la jeune fille que tu as devant toi, elle... excepté le fait qu'elle ait l'air d'avoir peut-être 13-14 ans, vers là... Elle correspond à tous les clichés que tu peux avoir des druides. C'est-à-dire qu'elle est habillée de vert avec une tunique faite un peu en écorce avec un mélange de cuir également. Et elle porte un bâton, elle a des cheveux bien tressés avec quelques petits végétaux dans les cheveux et tout. Et elle dit « Ah, mais les druides, bah, bien joué, vous les avez trouvés. » Il y en a plein. Eh bien, c'est parfait. Eh bien, si vous pouviez faire quelque chose pour moi, on pourrait aller un petit peu plus loin et peut-être qu'on pourrait essayer de s'entraider. Tu la vois qui se penche par terre, qui pose la main par terre. Il fait « Qu'est-ce que t'en penses ? Oui ou non ?» Ok. Et du coup, on t'a dit « Ok ». Tu vois en fait les racines progressivement qui se desserrent et qui commencent à se rétracter pour revenir dans le sol. Okay. Eh ben, je recule un petit peu. Parfait, ben, merci. Maintenant que je suis un peu plus libre, je vais pouvoir me présenter un peu plus. Guild de Drambradlon, et je désire voir les druides. J'en ai peut-être une en face de moi et j'aimerais voir l'ensemble des druides. C'est trop d'honneur. Je ne suis qu'une aspirante. Ok. Très bien. Oui. Je gratte en même temps ma longue barbe. Les druides, oui. Suivez-moi. Et ce ne sont pas des druides que j'ai aussi ? Non,
ce sont des voyageurs non. également, des invités. Nous, non, non, on voilà. est que de passage, nous, on regarde. Elle fait ça toute la journée, a priori. J'étais que de bon, passage aussi, et ça a duré plus longtemps. Vous présenter sur la route. Hein. Ouais. Moi, je dis à Gann, mais il faudrait peut-être lui demander pourquoi avant de la laisser rentrer, non ? Non, mais visiblement, va, c'est facile d'aller voir les druides. On demande à Gann, parce que là, ok, les... qu'est-ce qu'ils vous ont dit, le sol, les racines, l'enraciné, je ne sais plus. L'enraciné, en fait, analyse l'aura de la personne. Ah. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Uh-huh. Et bon, selon comment il le sent, je pense qu'il doit aussi saisir le pouls de la personne. Peut-être son appréhension, sa ah tension. Oui, et il m'a plutôt bien percé. Je suis quelqu'un de très agréable. Ok, bah, de toute façon. Eh ben, on va voir ça. Il t'a relâché direct. Et donc du coup, je vous laisse vous présenter, hein, tant qu'à faire. Du coup, vous êtes en train de marcher en direction du village avec lui. Mibi. Ouais, vas-y, commence par ton nom à toi. Bonjour. Je sais pas si on peut lui faire confiance. Moi, je sais pas, trop mais confiance si, mais aux gens regarde, qui disent bonjour, le druide, je suis sympa. Il lui fait confiance. Ouais. Il nous a relâchés et ils peuvent avoir confiance en nous. Ils l'ont relâché. Je dirais qu'on peut avoir confiance en lui. C'est pas parce qu'il fait peur. En tout cas, je fais un grand sourire tout en les observant et puis en essayant d'écouter en fait et de le voir ce qu'ils sont précisément en tant que voyageur. Est-ce que tu as quelques dents en or Non, mais j'ai une ou deux dents en moins, mais ah, par contre. Vers le fond, ça se voit pas trop, mais ça va. C'est les dents de sagesse. C'est ça. et voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Guild? Oh, disons que je suis un grand voyageur, je marchande de temps en temps. Un peu comme moi, justement. Ah. Du coup, t'as fait quel contrée à peu près? Tu viens de où? Ah, de Simargent. Okay. Une magnifique contrée en grande altitude et très jolie. Si un jour vous voulez la visiter, je serai pas prêt à... aussi. Eh ben, profites-en. Parce que tu verras que c'est très sympa. En tout cas, moi, c'est ça, et du coup, enchanté. Vous pouvez, faire un jet de connaissances géographie, si vous voulez savoir où est Simargent. Donc, on a un 13 pour Mayal, un 7 pour Sae, un 18 pour Eldebaf, et un 5 pour Mibi. Plus 2, non, c'est pas lié à la forêt, Mayal. Oui, mais on est dans la forêt. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Est-ce que c'est un humain? Sinon, j'ai encore plus de. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est un humain, mais rien à voir. En fait, le Simargent, c'est le nom d'une forteresse dans le royaume du cœur, qui est tout au nord du royaume et à l'ouest du lac des Méaliès. Où du coup dans les hauteurs il y a une forteresse avec une ville à ses pieds et dans les hauteurs du Gidenvik, donc du coup dans les montagnes du Gidenvik, et c'est de là qu'il vient. Ah, donc pas de loin. C'est intéressant, ça. Ça vient pas de si loin que ça, non, effectivement. On connaît pas ce point, nous. Non. Ben, c'est le moment de visiter. Si vous avez envie de visiter, c'est super sympa. C'est pas par là qu'il y avait des invasions orques? C'était pas plus haut, pas très loin. Non, c'était plus haut. Ah, c'est ça, hein, c'est dans ce coin là. Mais c'est un guet-apens là qui nous fait là. Voilà, je l'avais dit. Ah, voilà, je l'avais dit. Alors, après, c'est une forteresse là où il habite, donc potentiellement c'est peut-être l'endroit le plus sûr du coin. C'est peut-être pas mal, mais bon. Ouais, mais l'hiver c'est plutôt cool. D'accord. Magnifique cascade pas très loin. Cascade de glace là. Voilà. Donc vous continuez de marcher en échangeant avec Guild jusqu'à ce que vous arriviez en fait au village de Corneval. Donc tu vois devant toi progressivement se dessiner un paysage de collines. Plein de collines, très verdoyantes avec des arbres, etc. Et d'ailleurs tu vois aussi des toits, et des toits se mêlant aux collines, et c'est très divers et varié. Il y a effectivement des maisons qu'on pourrait presque assimiler à des trous de hobbits. Il y a aussi des maisons somme toute classiques avec des toits de briques,
voilà, des toits de tuiles et, ou de chaume. Y a des toits aussi en paille. Voilà. Y a plein de styles de construction très différents dans cette espèce de petit village où semblent vivre en parfaite harmonie les humanoïdes et les animaux. Je vois d'ailleurs qu'ici, les proies ainsi que les prédateurs semblent se côtoyer sans aucune animosité et sans chercher à manger les uns ou les autres. Au centre de ce village trône un immense arbre sur une colline également, au-dessus duquel tournoient des dizaines d'oiseaux. Effectivement, toi qui cherches les druides depuis un petit moment, ça semble très fortement ressembler à l'idée que tu pouvais t'en faire. Vous suivez Gan, pour l'instant, qui vous amène dans le village, et tout comme vous avez été accueilli par Quileas à votre arrivée dans le village, Quileas, de nouveau, se présente devant vous et remercie Gan. Merci Gan d'avoir mené ce nouveau voyageur jusqu'à nous. Bonjour, bienvenue à Corneval. Je suis Quileas, gardienne de ce village, et quelles que soient les raisons qui vous amènent ici, j'imagine qu'elles ne regardent que vous, je souhaiterais avant toute chose m'assurer que vous n'attenterez à aucune créature présente dans ce val, qu'elle soit humanoïde ou animale ou encore végétale. Nous attendons de votre part un immense respect. Et ça, elle le dit directement à moi ou aussi aux autres Ouais, elle a l'air de s'adresser à toi. Mmh. Les autres, elle ne les regarde pas. Elle a vraiment son regard fixé sur toi. On a déjà eu le topo. Bah, je me retourne vers les autres. Je me retourne de nouveau vers elle. Mes attentions sont pacifistes. Je cherche simplement des réponses et on m'a dit que vous pourriez m'en donner. Bien. Je ne sais si nos réponses vous conviendront, mais nous tenterons d'apporter solution à vos problèmes. Bien, je sais pas qui je dois voir en particulier. On ne m'a pas dit précisément la personne que je devais voir, mais on m'a dit que les druides pouvaient m'aider. Alors ça peut être l'enraciné, mais il faut prendre un ticket. Chez nous d'abord. Ouais, j'ai cru comprendre qu'il était assez collant, mais... ouais, bah... Mais ouais. Pourquoi pas ? Après, non, c'est un genre de petite. Les enfants semblent un peu se désintéresser au final de ce qui se passe et partir, repartir à leurs occupations. Quileas, à la mention de l'enraciné, se tourne vers Eldebaf, non pas d'un œil sévère, mais d'un œil un peu de jugement, bon. Avant de revenir vers Guild et de dire eh bien, avant de savoir si l'enraciné. Répondre à vos questions, peut-être pourrais-je déjà répondre moi-même à vos questions. C'est très personnel et si on pouvait discuter seul à seul, cela me conviendrait amplement. On s'est gardé des secrets. Je n'en doute guère. Cependant, sachez que ici, vous pouvez parler librement. Nulle vérité n'est cachée à quiconque. Et la sagesse du partage permet bien souvent de trouver les meilleures solutions. Très bien. Je cherche des réponses à ceci. Et donc je montre mes avant-bras. J'aimerais savoir précisément quelles sont mes origines. Est-ce que tu la vous vois pouvez m'aider? Qui plisse un peu les yeux, qui approche, qui demande d'abord, puis-je? Allez-y. Et donc je tends mes Elle retrousse ta manche et elle commence à regarder ton bras. Et elle prononce un mot et vous voyez que l'espace d'un instant, ses yeux semblent s'illuminer puis reprendre leur couleur habituelle. Et elle regarde. Il y a une magie résiduelle. C'est assez étrange et vous dites que... Vous avez cela depuis... Toujours. On ferait pas un coup de monocle. Ouais. Discrètement comme ça, on saurait où on regarde. Vas-y, discrètement. Et ça
ne fait qu'empirer. Ça se révèle de plus en plus. Mmh. Mmh. Donc si vous pouvez m'aider... Eh bien, écoutez, oui, je pense que l'enraciné pourra peut-être apporter réponse à vos questions. On peut faire un petit jet, nous ? Genre de connaissances de premier secours, par exemple, un truc comme ça. Alors, avec le monocle, déjà, par rapport au fait que vous sortiez le monocle, justement. Avec le monocle. Rapport au fait que vous sortiez le monocle, lorsque vous chaussez le monocle, donc sur votre œil, et que vous regardez les avant-bras de Guild, vous voyez en fait tout un tas de lueurs de différentes couleurs. Ah. C'est presque un arc-en-ciel. Oh. Et vous voyez effectivement plein de couleurs différentes qui semblent émaner de ses bras et aussi de ses poches d'ailleurs. Pas dans le manuel cette couleur. Il cache des trucs là, il a des objets sur lui. Mayal essaye de faire les poches. Oh, bah non. Il a peut-être des cuillères. Bah si tu le fais, je te demande un jet d'escamotage opposé à un jet de perception. Les embrouilles qui commencent. Allez. Oh, de peu. Eh bien, de peu, mais effectivement, tandis que Mayal est en train de soulever un pan de ta cape pour essayer de glisser sa main dans ta poche, tu sens j'ai au final au bout d'un moment, ce que c'était, comme au quelque moment. Chose qui se glisse dans ta poche. Eh ben, très rapidement, mais c'est presque surnaturel, je chope sa main, je me tourne vers elle. Tu fais quoi là ? Rien, j'étais curieuse. Eh ben, sois un peu moins curieuse. Et tu vivras plus longtemps. C'est une bonne leçon de vie. Nous aussi, on est très sympa. Et je recule. Moi, elle me piquait mes magazines. Je me tourne en fait vers celle donc, qui avait les yeux qui s'illuminent. Et je lui dis, je croyais qu'on serait tous dans un respect naturel. On n'a offensé aucune biche. Hein. Eh bien, tu vois effectivement Quileas qui... tu vois Quileas effectivement qui jette un œil un peu interrogateur vers Mayal en disant eh bien semble que certains fassent preuve de talent qu'on n'avait pas forcément soupçonné. Veuillez garder vos mains dans vos poches, jeune Alpheline. Tu croyais qu'on aimait le partage ici. Oui, on le partage dans la bienveillance, jeune Alpheline. Comment ça marche ? On a des points de karma ou est-ce qu'elle vient de baisser ? Non, ça c'est moi qui note. Ah d'accord, très bien. J'ai pas eu le temps de palper à peu près ce que c'était comme forme qu'il avait. Si de tu, sa poche tu ou quoi. T'as senti comme je sais pas peut-être un morceau de bois, un bout de bâton. Oui, j'aime bien cueillir des bouts de bois dans la forêt. Ah oh, moi aussi. Ouais, ça n'a pas de valeur donc. Elle semble très intriguée et vous la voyez pendant un moment qui ferme les yeux, puis qui les rouvre et qui vous dit bien, à la lueur des événements récents et de notre nouvelle invitée, sachez que l'enraciné semble avoir avancez votre rendez-vous. Il vous attendait maintenant. Maintenant ? Nous tous en même temps, avec Guild ? Oui. Allez, toute la compagnie, là. Un peu de prestigitation pour me rendre un peu plus présentable, quand même. C'est le moment de briller. Bah, attends, c'est l'enraciné, quand même. Moi, je me mets... Attends, moi, je trouve une fougère et je me, la mets, je me la mets dans les cheveux. Un peu dans la barbe, aussi. J'essaie de me mettre un peu de verdure. Je me dis, bon, allez, on va se mettre au coutume local, on va tenter un truc. Je me mets dans l'ambiance. Je veux dire, pour mon oncle, on s'était bien habillé, je peux faire un effort aussi. Elle prend les devants et elle semble vous mener auprès de l'arbre central et devant, en fait, l'entrée d'une sorte de grotte sous l'arbre. C'est grand-mère feuillage, en fait. L'entrée d'une grotte un peu étrange, un peu sombre. Et vous voyez d'ailleurs que cette colline assez épaisse semble finalement réserver un espace bien plus vaste en dessous, puisque le chemin menant à cette grotte semble descendre. Bah, je les regarde et après vous. De toute façon, faut que je le baisse un petit peu, moi, ou, ou c'est suffisamment haut. Pour l'entrée, tu vas avoir besoin de te baisser un peu, ouais.
Ok. Ma claustrophobie va pas très bien. Alors Mibi commence à y aller et voyant les personnes un peu plus réticentes, Quidias se tourne vers vous et fait « Allez-y, vous ne risquez rien, la porte restera ouverte. » Entrant dans cette grotte, vous mettez un petit moment à vous habituer à l'obscurité soudaine et à analyser les lieux. Ici, l'odeur d'humus et de terre fraîche est particulièrement prégnante. L'endroit, bien que plus spacieux que vous l'imaginiez de l'extérieur, reste relativement petit. Des marches rudimentaires ont été aménagées dans la terre depuis l'entrée pour s'approcher de l'amas de racines épaisses qui fendent le plafond naturel et retombent pour se plonger dans la terre. Cet amas de racines est énorme et forme un véritable tronc. Partout autour, les murs de la grotte et le plafond sont parcourus de milliers de racines, abritant d'innombrables insectes qui ne semblent pas vous prêter la moindre attention. C'est là que l'on vous a dit d'entrer, donc, pour rencontrer l'enraciné, le doyen des druides du Val, mais jusqu'à présent, vous ne le voyez pas arriver. Jusqu'à ce que, venant de nulle part, vous perceviez un râle et une voix commencer à s'élever. Oh. Bienvenue, jeune voyageur. Bonjour. C'est là, au beau milieu des racines, que vous commencez à distinguer un visage. Un visage de bois et de mousse, accompagné d'un bras dont la peau, elle aussi, semblait avoir pris la consistance du bois. C'est là tout ce que vous voyez de son corps noueux et frêle et dont le reste semble enfoui dans l'arbre. Et en l'observant bien, vous voyez que cet individu, avant de fusionner avec l'arbre, semblait avoir été un elfe, puisque le bout de ses oreilles, difficilement visible au milieu de la mousse, sont pointus. Approchez. N'ayez pas peur. Un arbre qui parle. Vous êtes en quête de réponse. En quoi puis-je vous aider ? Alors, qui en premier ? Nous vas-y, ou Guild ? Je pousse un petit peu Mibi devant nous. Moi, je reste vers l'entrée. Bon, bah vas-y, Mibi. Bonjour. Je m'appelle Mibi Lini Lili. Bonjour. Et parle fort, il est dur de la feuille. Et toi ? Et du coup, en fait, on vient parce que apparemment, vous aurez rencontré mon frère il y a quelques années. Gigi. Et je regarde elle de baf. C'est comme ça que ça se passe. Tu le vois qui, pendant un temps, se fige, puis recommence à bouger très lentement, et qui hoche la tête. Gigi. Oui. Triste histoire. Que souhaitez-vous savoir ? Bah, on aimerait. Enfin, j'aimerais bien le retrouver, et j'ai cru comprendre qu'il était un peu différent, qui était peut-être un peu sous influence magique ou je sais pas quoi, et j'aimerais l'aider. Oui. Lors de son second passage ici, son aura était beaucoup plus intense, mais elle était aussi multiple. C'est l'obscurité qui l'habite désormais. Mais il en est le seul artisan. Et dans sa soif de connaissance, il est parti vers le nord, en direction d'une tribu que l'on appelle les Latnox, qui vivent au gré des visions d'une voyante appelée la Latoma. Alors attendez, quoi ? Trop d'informations. Comment vous l'appelez ? Peuple Latnox, vous dites ? Cette tribu est nomade. Elle vit dans les montagnes.
et elle se déplace en fonction des visions de la Latoma. Et vous direz que Nigi, rongé par sa curiosité, entendait lui demander de connaître son avenir. Mais nul n'a jamais entendu dans la vérité de l'avenir ce qu'il espérait. Et cela aura achevé de le faire sombrer. Ah. Donc il serait allé voir cette tribu. Du coup, vous pensez qu'il n'y a plus rien à faire ? Plus rien. Rien n'est complètement définitif. Regardez. Un arbre mort, dans ses racines, peut puiser l'essence de la vie et l'énergie pour refleurir. Certes. Ouais. Un peu immobile quand même. Est-ce que le fait d'être immobile peut t'empêcher de voir loin ? Bah, pour moi, oui. En noir, je vois loin, mais sinon, je vois pas déjà, si bien. Déjà, en étant mobile, je vois pas très loin. Sachez, jeune gnome, que je vous ai senti arriver depuis la sortie des montagnes. Jeune. Non, pardonnez-moi. Ah ouais, il voit plus bien. Je vois mieux par mes racines. En même temps, au début, je t'ai confondu avec un gnome. Désolé, mais... Eh, bah, si c'est pour mal parler, je me casse. Hein. Oui, bah, ça va, oui. Ça suffit. Je suis pas gnome. Jeune Mibi, votre frère semblait avoir commencé à suivre une voie des plus sombres, bien avant d'interroger Lalatoma. Il semble qu'il était guidé par une sorte de guide étrange et dangereux qui l'amenait progressivement à abandonner le gnome bienveillant qu'il était. Et vous savez, c'était qui comme guide ou juste vous sentiez une présence générale ? Il vous faudra enquêter pour savoir qui est ce guide. Je n'ai malheureusement pas réussi en savoir davantage. Ok. Ce dont vous parlez là, c'est la deuxième fois qu'il est venu, pas la première. Oui. Et non. Disons que son c'est aura précis. Avait changé lors de son deuxième passage, mais qu'il cherchait la Latnox lors de la première fois qu'il est venu. Ah. Donc en fait, il est venu, il a posé des questions sur le monde chromatique. Après, il est allé voir les Latnox, et après, il est revenu. Oui. Donc là, on sait pas où il est, en fait. Qu'est-ce qu'il voulait la deuxième fois, du coup ? Pourquoi il est revenu ? La deuxième, il cherchait à en savoir plus sur l'esprit du Gidenvik. Ah oui, c'est vrai. Quelles étaient ses habitudes ? Où allait-il ? Où dormait-il ? Mais ses motivations étaient troubles. Je lui ai donc demandé de partir. Oui, il le cherchait, mais pas pour lui faire du bien, quoi. Et on a une Je idée n'en sais de... rien. Mais j'ai un doute. Les Latnox ? Même s'ils sont nomades. Oui, dans les montagnes. Oui, mais dans les montagnes. Dans les montagnes, mais vous n'avez pas d'idée précise, non. Ouais. Comme ils bougent tout le temps. Fait le tour de la montagne. Quelque chose me dit que notre ami ici présent saurait peut-être vous aider. Ah bah oui, Guild, tu viens du Nord. Mais approchez. Approchez, très cher Guild. J'approche. Vous êtes à la recherche d'un rituel. Cela. Oui. Et on m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Il existe bien un rituel. Il n'a guère été utilisé depuis fort longtemps. Pour cela, il vous faudra un ingrédient. Une fleur. Une simple fleur. Quelque peu difficile à trouver.
de petits bourgeons orangés qui se plaisent à pousser dans les matières en décomposition. Très bien. Et... vous avez de la chance, car on peut en trouver pas très loin ici. Quelle aubaine. Voyez-vous, les déjections des géants sont particulièrement fertiles. Des géants ? Et c'est une aubaine pour ces fleurs. Pas forcément pour moi. Plus à l'est abrite un géant solitaire. Vous pourriez y trouver de quoi accomplir le rituel. Un géant. Fallait forcément que ce soit un géant. Oui. Très bien. Et une fois que j'aurai cette fleur, je reviens vous voir ou... Oui, revenez ici même. Ok. Suivez mon chemin. Et vous le trouverez. Et à ces mots, en fait, vous voyez des petites racines qui s'entrelacent au sol. Ils sont parsemées de petits bourgeons blancs. Et cet entrelac se poursuit progressivement tout en prenant une direction qui semble vous indiquer en fait l'est. Bon, il semblerait qu'on va faire un petit bout de chemin beaucoup plus long, vous et moi. J'ai besoin de personnes pour trouver ce géant, en espérant qu'on puisse faire autrement que simplement devoir lui filer une claque ou quoi que ce soit. Et moi je sais où se trouvent les Latnok. Ah. À ce moment précis, parce que comme ils ont l'air de bouger assez régulièrement. Oui, au gré de la Latoma. Ok. Bon, ben. Donc. C'est une tribu quand même, donc. C'est une tribu nomade, donc effectivement, ils ont tendance à bouger régulièrement, mais régulièrement, ça se compte en plusieurs mois, voire années. Et savoir ouais, donc, où ils sont, enfin voilà. Si tu connais leur dernière position, a priori tu sais à peu près où ils sont quoi. T'as des chances de les retrouver, oui. Effectivement. Bon, moi je suis convaincu. Jamais vu de géant. Oui, alors ça par contre je suis moins convaincu. Je suis plus efficace. Vous avez le l'enraciné qui une dernière fois en fait vous adresse quelques mots. Et il vous dit « Hâtez-vous, ces fleurs sont appelées calidoles éphémères. Je ne pense pas avoir à vous expliquer ce que cela signifie. Bonne chance. » Non, c'est tout ce que calidole veut dire. Merci l'ami. Éphémère, j'ai un doute. Bon, eh bien merci. Moi je le remercie. Merci pour votre temps de l'enraciner. Tandis que vous le remerciez et qu'il vous souhaite bonne chance, vous voyez qu'il semble à nouveau s'enfoncer un peu plus dans les racines et se figer de nouveau. Ok. Eh bien, pour ma part, je ressors de sa pièce, de cette caverne, et j'attends le groupe. Ouais. Après vous. Bah, on suit. Très bien. Bah oui. Et hop. Moi, comment je prends ça, le fait quelqu'un ait fusionné avec un arbre par rapport à ma divinité Galiem et tout ? Est-ce que je le prends un peu pour un demi-dieu ou comment ça se passe ? C'est... En fait, disons que dans... Tu sais que certains druides sont plutôt associés aux animaux et d'autres druides sont plutôt associés aux végétaux et que les druides ont une capacité, on va dire, surnaturelle à se transformer en les éléments avec lesquels ils ont une affinité et que ce druide-là semble avoir atteint, on va dire, le stade ultime de sa transformation et le stade ultime de sa fusion avec l'élément qu'il a servi. Donc effectivement, il a quasiment un statut divin, on va dire, du point de vue de Galiem, puisque, bon, déjà, il a plusieurs millénaires, semble-t-il. Et c'est quelque chose de suffisamment rare pour qu'il soit, je vais pas dire à la tête des druides, mais considéré comme étant le plus sage des druides. Bon, j'imagine que du coup, j'ai un très grand respect et je m'incline un petit peu
en partant à reculons, tu vois. Si tu essaies avec ton arc de toucher les racines, est-ce que ça fait une flèche genre de bois, mais un truc divin, quoi? Avec ton arc qui transforme tout là. Si je touche les lianes qui bougent, est-ce que la flèche après elle se transforme en filet qui l'attrape? T'as déjà essayé de voler quelqu'un? Oui, c'est peut-être. Je t'ai main. Bah, évitez d'en rajouter. Eh bien, la suite au prochain épisode, en tout cas, puisque c'est là-dessus que nous allons achever cet épisode et vous laisser donc pour le générique. De notre côté, on va poursuivre le tournage. Donc, on va savoir tout de suite ce qui va se passer. Mais pour vous, il va falloir attendre la semaine prochaine ou alors peut-être. Lundi prochain seulement, si vous êtes abonné sur notre Tipeee, peut-être que vous aurez l'occasion de voir les épisodes en avant-première. Toujours est-il que n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. On vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.